Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième YAM podcast. Salut Chris. Coucou Anthony. Alors on va commencer avec les questions de la semaine. On y va. Déjà, merci à tous pour vos nombreux retours. Je te Ouais, laisse la parole. puis n'hésitez pas à nous laisser des questions tout le temps en message privé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci de poser, comme ça on les enregistre et on peut les traiter. Voilà, j'ai mis les AirPods pour corriger le son, hein, parce que la dernière fois, on nous a dit le son était, ma voix était trop basse, donc j'espère que ce sera mieux cette D'accord. fois. Yes. Alors, on a une question d'Axel qui nous dit, faut-il aller à l'échec à chaque série? D'accord. Alors, selon moi, non. Ça va dépendre un peu de l'entraînement qu'on va se construire, parce qu'après, on peut se construire en soi un entraînement très intensif avec un petit volume d'entraînement et se dire qu'on irait à l'échec à chaque série, mais je trouve que naturellement, du moins, et même pas naturellement, c'est assez difficile à progresser et à récupérer en étant aussi intense sur tout l'entraînement. Ça laisse plus de marge de progression pour la suite. Ça demande beaucoup de récupération et ce sera traumatisant aussi pour tout ce qui est tendons, articulations, surtout sur les gros exercices de base. Donc, selon moi, aller à l'échec sur certaines séries de l'entraînement, oui, sur toutes, non. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est ça la problématique, c'est que si vous allez à chaque fois à l'échec, en fait, comme le facteur limitant c'est la récupération, eh ben, vous allez entamer le processus de récupération sur les séances suivantes. Alors, c'est sûr qu'on est débutant, on a un peu moins ce problème-là parce qu'on est loin de ces charges de travail maximales, mais plus on avance et plus il va falloir garder quelques répétitions de réserve, on appelle ça les RIR d'ailleurs. Pour pouvoir continuer à progresser et pas entacher justement ce processus de récupération. Donc, voilà. Donc, garder quelques répétitions de réserve, donc suivant les mouvements. On va dire que plus c'est des mouvements polyarticulaires, plus il faut avoir quelques séries de réserve. Donc, tout ce qui est par exemple, je sais pas, on va dire n'importe quoi, soulevé de terre, si bien vraiment d'en garder au moins 2-3 de réserve. Ça paraît beaucoup, mais c'est important, surtout sur des gros mouvements comme ça. Et après, plus on va dans des exercices de focalisation ou d'isolation, plus on peut aller à l'échec ou du moins à une répétition de réserve, juste une, ça peut suffire. Voilà. Mais si vous allez vraiment à l'échec de l'échec, forcément, ça va être très problématique pour pouvoir progresser. Et même sur le volume total de la séance, si par exemple, après l'échauffement, en fait, votre première série à fond, au taquet, à l'échec, la deuxième série, la troisième série, vous allez faire de moins en moins de répétitions. Et au final, le volume fait partie des facteurs de croissance, va être moins grand au final. Donc voilà, donc c'est bien de garder toujours quelques répétitions de réserve. Voilà. D'accord. Alors, question suivante. Donc, c'est une question de Christopher Chipot. Chipo, oh, vas-y, Chipo. Et Chipo. c'est sa femme qui pose cette question, en fait. Il dit, depuis qu'elle a accouché, elle a mal quand elle essaye de bosser les abdos. Je t'entends plus. Tu m'entends pas? Attends, là, je t'ai pas du tout entendu. Alors, je sais pas si ça a marché, mais recommence. Ça a coupé totalement. Alors, je dis, c'est Christopher Chipot, donc, c'est sa femme qui pose cette question. Depuis qu'elle a accouché, elle a mal quand elle essaye de bosser les abdos. Quels seraient tes conseils pour reprendre l'entraînement pour une femme qui a accouché récemment? Déjà, elle a accouché par voie naturelle ou par césarienne? C'est pas précisé. Ouais, donc déjà ça, il faudrait peut-être le savoir, tu vois. Donc, si c'est césarienne, c'est un peu normal. On a quand même coupé, on a ouvert donc le muscle abdominal et voilà. Donc ça, c'est normal. Après, si c'est par voie basse, enfin par accouchement naturel, je sais pas. Il faut voir peut-être déjà remuscler le périnée. Je sais pas si t'as d'autres. Je suis pas spécialisé là-dedans, mais vas-y. Hein. Moi, j'en ai fait beaucoup, pas Ah, des accouchements, vas-y. mais des après-grossesses, et j'en Ah, fais encore. vas-y. J'ai toujours trois, quatre clientes qui sont en cours de ça. Alors, ça vient souvent du périnée, dans le sens où les exercices d'abdominaux sont souvent mal faits. On a tendance à ne pas commencer en aspirant le nombril et en contractant justement le Anto, périnée. rassure-moi, c'est pas toi qui les mets enceinte à chaque fois. Non, 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 j'aurais coulé depuis longtemps. Mais comment? Il m'a déconcentré ce coup. Donc je disais, arrête tes conneries. Je disais, souvent, ça vient du fait que les abdominaux sont mal faits et qu'on ne contracte pas le périnée. Alors ça me fait rire parce que j'avais une prof à l'école qui disait,
regardez quand vous voyez votre adhérente, vous verrez si elle contracte le périnée ou pas. Quelle connerie, parce que ça va être un peu chaud à voir le périnée se contracter. Il faut mettre le doigt normalement, mais voilà. Donc, cette prof était très forte en anatomie. Bref, revenons à nos moutons. Donc, il faut bien penser sur les exercices d'abdominaux à rentrer le ventre, aspirer le nombril et ne surtout pas faire, surtout sur les crunchs, pousser. Si quand vous faites les crunchs, l'estomac monte, le ventre ressort, c'est très mauvais. Vous êtes en train de pousser sur les organes et quand on vient d'accoucher, bah, ça reproduit pratiquement le phénomène d'accouchement. Donc, il faut absolument éviter ça et bien penser à contracter les muscles profonds. Ça passe par tout simplement aspirer le nombril au maximum et dès le départ du mouvement, contracter les abdos. Donc là, je pense que souvent, ça vient très souvent de ça. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, la musculation ne remplace pas la rééducation du périnée. Ce n'est pas un coach sportif de faire ça, c'est souvent les sages-femmes qui font ça. Donc, je pense que là, le plus intelligent, c'est effectivement, si elle a accouché, non pas par voie naturelle, mais par césarienne, c'est déjà de prendre la vie avant de faire des abdos du chirurgien, du médecin. Et ensuite, si jamais elle a accouché par voie naturelle ou césarienne et que son médecin a dit « vous pouvez faire des abdos », d'aller éventuellement voir une sage-femme pour faire la rééducation. C'est la deuxième étape. Si la rééducation est faite, alors là, il faut vraiment vérifier la technique d'abdos. Généralement, après un accouchement, j'aime pas du tout faire des crunchs et des enroulements de bassin. J'aime bien commencer par du gainage. Ah, super. Puisque ça habitue à recontracter justement le transverse, les muscles profonds, beaucoup plus que les crunchs qui sont quand même beaucoup plus techniques. Donc, voilà. Et éviter tout ce qui est presse, tout ce qui est squat, tu sais, où tu vas avoir une pression importante sur le ventre et l'abdomen jusqu'à ce que ça soit rétabli. Voilà ce que, en général, je fais. Mais jamais sans l'avis du médecin. Et il faut bien rappeler qu'on n'est pas des médecins. Voilà. Souvent, les coachs, on se croit un peu tout puissant. Tu sais qu'on sait tout sur tout. Mais on n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens, on n'est pas des gynécologues, on n'est pas des sages-femmes. Donc, endocrinologue à la base, enfin, il y a plein de choses. Voilà, voilà, exactement. Donc, il faut qu'on reste, même si on pense qu'on lit des études, etc., ça ne remplace pas 10 ans d'études en médecine. Donc, il faut quand même… Il faut rester humble sur… Voilà. Il n'y a pas de honte, hein, c'est que chacun a sa spécialité. Pas du tout. Et en plus, il faut bien comprendre qu'on peut faire prendre des risques énormes aux gens en s'improvisant ce qu'on n'est pas et quand on parle de la santé, quoi. Voilà, tout voilà. Tout à fait. À toi. Une autre question. Alors, ça, c'est une question plus pour moi, je pense. Ouais. Donc, on pose la question si je suis content de ne plus coacher des pros, notamment à cause de l'affaire qu'il y a eu avec Eric Favre. C'est Guillaume qui me pose cette question. Alors, ouais, c'est une question pour toi, puisque moi, je ne suis pas impacté. Alors, content de ne plus coacher des pros. Alors, après, l'affaire Eric Favre, bah, déjà d'une, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. On n'est pas Eric Favre, on n'est pas dans l'enquête. Encore une fois, il y a une instruction, donc ça veut dire qu'ils sont en train d'enquêter. Donc, entre ce que disent les journaux et ce qui s'est passé en vrai, bah, il y a souvent un gros décalage. Il faut rappeler que les journaux sont là pour faire de la sensation, donc sensation bah, pour vendre. Donc, il faut du trash, il faut, voilà. Donc, on ne sait pas tout, donc ça serait très malvenu d'en parler. Donc voilà, donc l'affaire est en instruction, voilà. Et puis en plus, moi j'ai horreur de parler sur des personnes qui sont comme ça dans un monde de faiblesse entre guillemets. Voilà, je trouve pas ça correct. Je ne sais pas ce qu'il a fait et encore une fois, voilà, je suis pas là pour juger qui que ce soit dans ce qu'il fait. Ensuite, c'est sûr que coacher des pros, ça demande aussi parfois aussi un coaching en chimie. Et comme on a juste le dit juste avant, on n'est pas des endocrinologues. Donc, c'est assez risqué, c'est assez délicat. Et c'est vrai que c'est risqué au final. C'est risqué au final parce que qu'on donne des conseils, par exemple, pour des protocoles de chimie, ben on fait quelque chose qui est en vrai aussi illégal. C'est-à-dire que même si nous, on ne vend pas de produits ou si on ne prend pas de produits, le fait de conseiller des produits est aussi illégal. Donc bon, c'est problématique parce que c'est vrai que quand on coach des professionnels, c'est une demande qu'on a forcément, surtout à haut niveau, surtout sur des gros bodybuilders, même sur des moins gros bodybuilders d'ailleurs, parce que c'est bien sûr. Quelque chose de récurrent, donc c'est quelque chose de très très délicat.
Alors, est-ce que, alors, c'est deux aspects dedans. Est-ce que je suis content à cause de ça, de plus coacher de pro à cause justement des protocoles chimie? Ouais, pour le coup, ouais, je suis content parce que quand je vois tout ce qui se passe, ça fait flipper quand même et que voilà. Et puis c'est une très grosse responsabilité, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est une grosse responsabilité parce que si demain l'athlète lui arrive un problème, que ce soit dû à ça ou pas à ça, de toute façon, on va mettre en cause les produits. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. C'est que voilà, vous allez les prendre cher. Quoi qu'il arrive, vous allez les prendre cher. Parce qu'on est dans un monde où de toute façon, si on sait que la personne prend les produits, on va pointer les produits avant même de chercher peut-être une autre cause externe ou génétique ou congénitale. Enfin, on ne sait pas trop. En fait. Et donc, c'est un gros risque. Et c'est vrai que je plains aujourd'hui les coachs qui suivent des pros parce que c'est problématique. Quoi. C'est problématique. Si tout va bien, ben voilà, super. On a la gloire et la rançon de la gloire. Mais si jamais un jour, il y a un problème, oula, ça va aller très très loin et c'est vrai que je suis content par rapport à ça. Ensuite, coacher, ben moi parfois ça me manque. Moi j'y reste 2-3 personnes que je coach, hein. Voilà, par plaisir, par passion. Donc c'est chose parfois qui manque, c'est vrai, parce que c'est un vrai plaisir. Et toi, Anthony, c'était pareil, c'est une vraie passion. Avant même que ce soit un business, c'est aussi une passion. Ouais, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est pas rentable pour nous. Ouais, en plus, ouais, c'est... Faut le dire, se prendre un athlète, c'est pas rentable, même à... Faudrait chiffrer des tarifs qui sont presque indécents pour que ça soit rentable. C'est vrai. Parce qu'un athlète, normalement, quand c'est fait dans la règle de l'art, ben, ça prend beaucoup plus de temps qu'une personne lambda, normalement. Carrément. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique. On doit rassurer quasiment l'athlète presque tous les jours. Enfin, c'est tellement pointilleux que ça demande plus d'investissement. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Donc, d'un côté, bah oui, ça me manque parce que c'est une passion et que j'adore voir les gars se transformer. Et puis, quand un gars monte sur scène, que tu as vu tout le boulot que tu as fait après, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je m'en garde 2-3 de côté à chaque fois, voilà, parce que puis aussi, j'expérimente des trucs dessus, tu vois. Mais voilà, donc heureusement, je pense que j'ai encore ces 2-3 athlètes de côté. Et puis, sinon, pour le reste, oui et non. Je suis passé un peu à autre chose parce que j'ai un business derrière, donc je suis passé un peu à autre chose. Mais c'est vrai que je n'aurais pas mon business derrière de complément et d'autres choses que je fais aussi à côté. C'est vrai que bah, je continuerai à le faire et puis ça me plairait tout autant. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu as aussi un petit retour par rapport à ça, par rapport à toi justement. Est-ce que toi, comment tu vois justement le travail de coaching dans ton métier, quoi. Par rapport aux athlètes, tu veux dire? Ouais, bah, par rapport au dopage, par rapport qu'aujourd'hui, bah, voilà, aujourd'hui, coacher des athlètes de haut niveau en France, c'est bien vraiment difficile parce que c'est tellement répréhensible en France que autant dans d'autres pays, c'est plus large, c'est plus cool, c'est plus toléré, autant en France, ça rigole pas, quoi. Donc déjà ce point de vue-là, et puis comment? Est-ce que des fois, toi aussi, tu n'en as pas marre de coacher? Parce que c'est vrai que c'est très prenant, c'est très fatigant aussi psychologiquement, il ne faut pas l'oublier. Hein. On prend aussi tout le mal-être aussi de l'autre, hein, de la personne. Donc, comment toi, tu gères ça, par exemple? Ben, c'est assez délicat. C'est quelque chose que je place vraiment à part du coaching lambda, la préparation d'athlètes. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est très fatigant et très épuisant moralement. Parce qu'on gagne ensemble, mais on perd ensemble aussi. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et donc quand l'athlète perd, bah, c'est toi aussi qui perds. Et tu es même peut-être parfois le plus impacté parce que c'est lourd de voir la personne déçue. Et tu as ta déception à toi et tu as la personne déçue, donc tu as l'impression de la décevoir. Donc, c'est énormément de pression, effectivement. Ce n'est pas rentable. Donc, c'est jamais rentable financièrement, même à des tarifs… Hein. Plus élevé, même en montant les tarifs, ça reste pas rentable parce que bah, même si tu comptes pas que l'argent, tu as le temps que tu passes. Parce que bon, toi, tu es comme moi, tu as toujours été souvent aux compètes, tu te déplaces, etc. Donc voilà, le temps que tu prends pour faire le tan, le posing, répondre à la fin tous les jours, comme tu l'as dit, faire les adaptations, etc. Donc voilà, donc ça, quand je dis comme ça en tire un bilan assez négatif, mais ce qui nous fait rester là-dedans, c'est la passion. C'est-à-dire que tu vis quand même des émotions et des aventures qui sont hors du commun pour moi. Mais comme je vois ce week-end, par exemple, tu vois, où on a été au GP de Provence et on a gagné. Enfin, c'était génial. La fille que j'ai coachée, elle a gagné toutes catégories. On a gagné presque toutes les catégories qu'on a fait, 4 au total. C'est des émotions géniales, tu vois. Et donc, il y a des fois où je me dis, quand je perds, en fait,
j'ai envie d'arrêter, c'est trop. Et puis, il suffit d'un week-end où tu gagnes et tu te dis, c'est trop d'émotions et c'est trop beau pour arrêter au final et pour ne pas continuer. Donc c'est vraiment la passion en fait qui fait tenir sur ça. Et je pense que si on n'avait pas la passion, juste financièrement parlant ou même professionnellement parlant, avec, comme tu l'as dit, tous les risques qu'il y a, aussi bien légalement surtout, à faire ça, on aurait déjà arrêté. Après, moi maintenant, je prends essentiellement des athlètes qui sont naturels, justement, non pas pour jouer la carte de l'hypocrisie, mais parce que il faut bien le dire, hein, les trois quarts des coachs qui coachent des pros, des athlètes vraiment connus, se sont déjà fait taper sur les doigts par la justice, hein, même sans être des dealers ou quoi, juste parce qu'ils conseillent ou ils fréquentent de près, parce qu'ils les coachent, des gens qui prennent des produits et qui, eux, parfois, font des trafics ou autres. On n'est pas responsable de ce que font nos athlètes, mais indirectement, on y est lié. Donc, voilà, on a des sociétés, on a des business, et on n'a pas envie, pour une compète et une coupe en plastique, de se retrouver avec des problèmes comme ça, comme malheureusement Eric Favre a en ce moment, tu vois. Il est dans ce genre de soucis parce qu'il est lié au bodybuilding. Qu'il soit coupable ou non, si c'était dans le golf, il n'aurait pas eu de problème, tu vois. Que ça soit lui ou non, peu importe qui, voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas là pour juger, on n'est pas avocat, on n'est pas policier. Et en soi, on s'en fiche. Nous, on n'a rien contre lui. Au salon, on a mangé une crêpe avec lui. Voilà, qu'est-ce que chacun sa vie, ses choix. Mais voilà, du moment où tu rentres dans ce milieu, tu prends des risques. Après, tu le sais. Et à toi de faire les meilleurs choix. Mais je pense que se tenir écarté de ça pour nous, du bodybuilding hardcore, et par contre, des pros, comme tu dis, est plus intelligent à l'heure actuelle en France. Ouais, c'est vraiment pas. Après, tu peux vraiment gagner ta vie parce qu'il y a des grands coachs qui. Mais voilà, après, c'est des tarifs de ouf. Ouais, voilà, bien sûr. C'est du 2 000 € par an. Ça fait plus de 200 € par mois. Ah, donc, voilà, après, si tu as, selon le nombre d'athlètes que tu as, bon, ça peut être quand même lucratif, mais c'est vrai que c'est. Ouais. C'est pas évident. C'est une grande question. C'est une grande question. Et j'ai envie de dire, c'est à chacun de faire ce qui semble juste pour lui, tout simplement. C'est difficile hein, de dire choses parce que. C'est très individuel et voilà. Carrément. Comme on l'a dit, la passion fait aussi que des fois, tu fais des choix pas forcément rationnels ni rentables. C'est vrai. Donc, voilà. OK. Bon, question suivante. Ça va nous intéresser tous les deux. Qu'est-ce qu'on pense du HIIT à jeun? Waouh. Donc, voilà. On peut peut-être résumer la question à qu'est-ce qu'on pense du cardio à jeun? Ouais, et encore le HIIT, c'est pas tout à fait du cardio, c'est encore un truc un peu plus fort, quoi. Donc, je sais pas, tu veux commencer, je commence comme tu veux. Vas-y, j'ai beaucoup parlé juste avant, on va répartir le temps de parole. Alors, il y a deux choses. Il y a d'un côté le HIIT, est-ce que c'est efficace ou non? Alors, je suppose que c'est plus pour une perte de poids, j'imagine. Et à côté, le fait de faire une pratique sportive à jeun. Alors, on l'a vu par rapport à toutes les études qu'il y a et tout ça, que vous fassiez du sport à jeun ou pas, ça n'aura pas d'influence sur le fait de perdre plus de gras parce que vous entraînez à jeun que si vous n'entraînez pas à jeun. Ça, déjà, n'importe quel sport que vous allez faire à jeun, de toute façon, ce n'est pas ça qui va faire augmenter plus la lipolyse parce que pendant la nuit, on va dire que la nuit, vous avez vidé vos stocks de glycogène grosso modo et que le matin, vous n'avez utilisé que les graisses. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, c'est une question de balance calorique avant tout. Et même si d'une manière ponctuelle, vous perdez plus de gras à ce moment-là, de toute façon, votre corps fonctionne sur 24 heures. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà, on appelle ça du réductionnisme en fait. Et bon, c'est pas… Voilà. Donc, alors, à jeun, moi, je déconseille pour la bonne simple raison, c'est que ben, vous allez vous entraîner sans acides aminés en circulation dans votre corps. Et ça, ce n'est pas top parce que votre corps, justement, ne va pas utiliser que de la graisse, il va utiliser les trois substrats, que ce soit des lipides, des glucides et aussi des protéines, des acides aminés. Et le but ici, c'est de limiter un maximum l'utilisation des acides aminés, donc des protéines qu'on ingère ou des protéines qu'on a en stock dans nos muscles pour utiliser. Donc, déjà, l'entraînement à jeun, ce n'est pas juste ce que je préconise. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui le pratiquent,
qui malgré tout ont des résultats avec. Donc pourquoi pas si des athlètes préfèrent avoir par exemple un entraînement cardio à jeun parce qu'ils ne peuvent pas après un petit déj, parce que ça les ballonne ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'entraînement à jeun qui va vous faire perdre plus de gras que si vous faites du cardio à un autre moment de la journée en tout cas. Ça, c'est clair et net. Ensuite, concernant le HIIT, moi, je ne suis pas fan du tout du HIIT et je crois que je suis encore moins fan du HIIT que du cardio. Pourquoi ? Parce que le HIIT demande un effort physique tel que ça risque d'empiéter en fait sur votre séance de musculation. Et si dans votre séance de musculation, vous êtes moins performant, vous êtes plus fatigué, vous avez moins de volume d'entraînement, si vous mettez des charges moins lourdes parce que le HIIT vous a épuisé, en fait, ben, ça va un peu à l'encontre de la préservation de la masse musculaire due au régime parce que vous êtes en perte de poids et que le but ici, c'est de perdre un maximum de gras mais en conservant un maximum de muscles. Donc, c'est deux choses, HIIT plus cardio plus à jeun, qui me paraît en fait un non-sens. Moi, en tout cas, je ne suis pas fan. Je sais que peut-être que certains le font. En tout cas, ma vision des choses, en tout cas, et mon expérience par rapport à ça est plutôt négative. Donc voilà, à toi en tout. Bah, écoute, moi, je rejoins ton avis. Je ne fais pas faire de cardio à ce que je coach, hormis de très rares cas où ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Et j'ai de très bons résultats sans, j'en ai très rarement besoin. Et en soi, pour moi, l'utiliser, ça a plutôt un impact négatif que positif. Ce qui est sûr, c'est qu'à jeun, je ne le ferai absolument jamais faire, à moins qu'on prouve voilà, vraiment, réellement que ça a un intérêt. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non. Attends, excuse-moi, je rebondis sur un truc, c'est que faire du cardio, enfin d'avoir, je vais même changer le mot de cardio, je vais faire avoir une dépense énergétique par le sport, par exemple. C'est sûr que si vous avez une dépense énergétique par le sport avec un régime, c'est sûr que vous allez perdre du poids. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas en train de dire « Ah oui, ok, vous allez faire du cardio à jeun, donc avec le cardio à jeun, vous n'allez pas perdre de poids. » Si, vous pourrez perdre de poids. Mais est-ce que c'est optimal? En fait, c'est ça le truc. On ne pense pas que ce soit optimal. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre de poids parce que vous faites du cardio à jeun. Si, vous allez sûrement perdre du poids quand vous faites du cardio à jeun. Il n'y a pas de souci si vous faites un régime hypocalorique. Et tout, mais est-ce que c'est optimal dans le fait de conserver suffisamment de masse musculaire? Est-ce que c'est plus optimal que de faire du cardio dans un autre moment de la journée? Non, ça, les études sont formelles par rapport à ça. C'est juste ça, en fait, qu'on essaye aussi de vous dire ou de vous inculquer, en fait. Ouais, en fait, tu vois, là où j'ai un problème avec la mentalité un peu qui règne dans notre milieu, avec certains coachs, alors je pointe personne du doigt, on s'en fout, c'est pas la question, mais c'est que en fait on a des méthodes qui marchaient, ok, qui marchent toujours. Admettons par exemple faire très bas en glucides pour sécher, ça marchait. Il y a des athlètes très secs, faire beaucoup de cardio, ça marche, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on cherche jamais à évoluer, à savoir dans le sens où pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir les mêmes résultats en souffrant moins? C'est ce que je discutais hier avec une athlète que je viens d'avoir. Je lui disais, imagine que tu sèches pareil que maintenant, sans faire de cardio et en mangeant plus. Est-ce que c'est pas mieux? Tu vois? Qui va te dire non? Qui a envie? Après, si c'est son délire et que vraiment on aime aller courir le matin, faire du vélo là, dans la journée, etc. Ok. Mais si tu peux préserver ce temps-là pour faire autre chose, même dormir ou peu importe, on s'en fiche, faire plus de muscu, enfin. Voilà, pourquoi ne pas le faire, quoi. Et donc, c'est un peu ça. Du moment où pour moi, j'aime ce qui est rentable, ce qui est efficace et rentable, et c'est plus rentable de sécher sans cardio qu'avec. Voilà, pour moi, ouais, la réflexion s'arrête très, très là. Que tu expliques. Et c'est aussi ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, en fait, aujourd'hui. Tu sais qu'on a une devise, c'est en fait, pour gagner de l'argent, il faut travailler extrêmement dur. Mais aujourd'hui, en un an, des leviers, en faisant travailler en fait son cerveau, on arrive à voir, on peut faire de l'argent en travaillant moins en fait, en utilisant plus son temps, avoir des stratégies en fait beaucoup plus intelligentes pour justement économiser de l'argent et continuer à gagner de l'argent ou beaucoup plus d'argent. Et ça, on le trouve aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que c'est un parallèle aussi par rapport à ça, comme tu as dit. Pourquoi souffrir autant alors qu'au final, on peut faire les choses d'une manière moins dure, moins stricte, moins éprouvante même pour ton organisme et avoir les mêmes résultats. Donc, c'est vrai que voilà, il faut essayer d'avancer, de continuer à apprendre. Et
Pour encore une fois, il faut que ça reste du plaisir. Et souvent, malheureusement, le bodybuilding de compétition, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Ah ouais, parce que carrément, carrément. Pas possible. Faut être honnête, hein, le dernier mois, généralement, c'est une souffrance accrue terrible. Quoi. Et voilà, 90% des athlètes, c'est ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Et je le dis toujours, c'est, on prend plus de plaisir le dernier mois. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu d'athlètes qui arrivent vraiment très secs, parce qu'à la fin… Horrible. C'est hyper dur. Il y a pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'athlètes qui sont bien, mais très secs. Il y en a pas énormément parce que c'est vraiment dur. Enfin, voilà. Moi, je vois. J'ai vraiment le dernier mois, j'ai plus dormi. Bah, tu le sais toi-même, tu vois. Ouais, toi aussi, tu as été très sec, très très sec. Donc voilà, tu. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Donc pour ceux qui veulent faire des compètes, préparez-vous que c'est plus dur que ce qu'on voit. Quand on le fait, c'est. Non, c'est vraiment quelque chose d'élitiste. C'est élitiste dans le sens où tout le monde peut prétendre à le faire, peut essayer de le faire, mais tout le monde n'arrive pas au bout. Quoi. Ouais, non, c'est un sport extrême. Hein. C'est littéralement un sport extrême. Et du moins, au niveau nutrition, je connais très peu de sports qui sont aussi extrêmes. Voilà. C'est vrai. Par rapport à la nutrition, c'est quelque chose de… Alors, au niveau sportif, au niveau entraînement, oui, il y a plein de sports qui sont plus durs même que la musculation. Hein. Ouais, donc, ouais, ouais, c'est sûr. On a un triathlète qui est plusieurs heures par jour à courir, marcher. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. La gymnastique, c'est très… Enfin, il y a plein d'autres sports. Quoi. Par contre, en nutrition, c'est un des plus durs. C'est quand même un des plus durs où on demande tellement d'avoir un corps avec un taux de masse grasse tellement bas que c'est vraiment extrêmement dur. Super. Ça. Bon, écoute, je crois que… Ben non, mais… C'est la fin. Ouais, c'est la fin pour celui-là. Et on va enregistrer… On va vous dire la vérité, on va enregistrer le deuxième dans la foulée. Ouais. Et voilà, mais on va essayer de s'avancer un petit peu. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu parce qu'évidemment, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Et puis, commenter, nous soumettre des messages. Vous pouvez aussi avoir votre point de vue. N'hésitez pas à partager votre point de vue. On n'est pas toujours d'accord des fois avec des points de vue qu'on a dessous, mais c'est pas grave. Le but, c'est de partager. Comme on dit tout le temps, on n'a pas la science infuse, on a notre expérience, notre retour, mais nous, on est ouvert à tout. Si vous avez des retours, c'est super, toujours intéressant de débattre. Donc, voilà. Non, mais quand c'est fait dans... Je rigole. Ouais, mais toujours pareil, le but, c'est pas d'imposer les choses, c'est de proposer des choses, d'essayer et de rester ouvert au maximum. Donc, n'hésitez pas à commenter, à laisser des choses, même si on ne partage pas forcément de point de vue. C'est toujours intéressant, du moins que c'est fait dans le respect. Donc voilà. Super. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bisous. Ouais. Ouais.